You're in the office, baby. Going up. Today's a training day, Officer Hoyt. Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS All Star Club pour la première vidéo de la journée. Aujourd'hui, il y en a encore 3 de prévues, 3 sur les voitures. On commencera donc avec la première vidéo qui va concerner, comme vous l'avez vu dans le titre, la Tahoma, des classes Tahoma qui va donc être disponible. Et c'est là que c'est très important, attention, disponible 2 jours gratuitement, donc en tout 3 jours même. Donc ce vendredi 16 jusqu'à dimanche 18 décembre. La Tahoma, vous pourrez la récupérer gratuitement sur souterrain-de-san-andreas-superauto.com. Donc ne la ratez pas, puisqu'après il faudra la payer plein pot, soit un peu plus d'1 500 000. Bien évidemment, les informations viennent du Rockstar Newswire de chez Rockstar Games, qui a été publié mardi à la sortie du DLC. Et voici ce qu'ils disent. En récompense, tous les joueurs de GTA Online pourront récupérer gratuitement la toute nouvelle D-Class Tahoma coupée muscle, car du 16 au 18 décembre, après quoi la Tahoma coupée sera largement disponible à l'achat auprès de Souterrain de San Andreas Superauto.com. Donc largement, c'est une mauvaise traduction, c'est également. Donc après le dimanche 18, elle sera toujours disponible sur GTA Online, mais elle deviendra payante, bien évidemment. Donc rendez-vous chez Souterrain de San Andreas Superauto.com et vous l'aurez. Voilà, bah allez, regardez, même je vous dis un peu plus d'1 500 000, elle est à 1 500 000 en fait d'habitude. Et donc voilà, vous pouvez la récupérer gratuitement à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Le coupé de luxe ultime qui sort tout droit de l'époque où tout ce dont vous aviez besoin pour vivre le rêve américain était un casier judiciaire vierge et des poches pleines de pilules. Les temps ont peut-être changé, mais le secret de la réussite réside toujours dans une poignée de mains solides et une grosse cylindrée qui peut vous faire traverser la frontière en moins d'une minute trente. Donc alors, à voir. Il y a quelque chose quand même qui m'intéresse pour cette voiture. Est-ce qu'il y a moyen de la mettre en lowrider, c'est-à-dire en suspension hydraulique? Du coup, on va vite fait aller voir chez Beniz, mais bon, s'il ne le mentionne pas... Non, c'est ici, Beniz. S'il ne le mentionne pas, à mon avis, elle n'est pas customisable chez Beniz. Voilà. Ah, ça, c'est un petit peu... Ça fait un petit peu chier, quand même. Ça fait un petit peu chier. Et je pense pas qu'elle le sera dans un futur proche. Bon bah écoutez, on va aller voir cette Tahoma dehors. Voici donc devant la D-Class Tahoma gratuite pendant quelques jours. C'est donc le véhicule qui est offert suite au The Challenge Heist, ou The Heist Challenge plutôt. Donc il fallait battre un certain record de somme d'argent, soit 2 trillions. Et voilà, les joueurs et la communauté tout entière accumulaient plus de 4 trillions de GTA dollars. Donc c'est un truc de ouf qui a été fait quand même. Et donc c'est le véhicule récompense à ce défi communautaire. Donc bien évidemment c'est une Chevrolet Monte Carlo de 79, certains diront 78. Voilà, écoutez. En tout cas cette voiture est visible dans le film Training Day avec Denzel Washington. Je vous en avais mis un petit extrait en début de vidéo. Et peut-être que je vous en mettrai à nouveau un petit extrait maintenant. Hey, grab that menu off that window for me, right? Get in, it's unlocked. Voilà, donc écoutez, franchement, elle est très, très ressemblante à la version IRL quand même, avec la ligne qui respecte bien, qui fait tout le charme de cette Chevrolet Monte Carlo, avec le cul qui rabaisse comme ça, qui redescend un petit peu. Vraiment, elle est vraiment, vraiment magnifique, cette voiture. Elle est vraiment, vraiment sympatoche. Donc, eh ben, on va ouvrir les portes, voir un petit peu sous le capot. Voilà, alors, voyons voir sous le capot. Donc, comme d'habitude, on a le moteur qui est plutôt bien détaillé. Encore que ça peut aller. Ouais, non, ça va. Les croix sont plutôt bien détaillées aussi. Mais, comme d'habitude, on a cette image dégueulasse en fond pour boucher le dessous, qui rend le truc un petit peu moins terrible. Vous voyez l'armature là au niveau du pare-choc qui est... on voit clairement que c'est une texture et que c'est pas dessiné comme il faut, quoi. Que c'est une image collée. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon.
Ça va, dans l'ensemble, on a vu pire. On a vu pire. Donc ensuite, on a les jantes d'origine. Hein. D'ailleurs, je me demande si c'est des... Ouais, si, ça a l'air d'être des jantes. Je pense pas que ce soit des... Je pense pas que ce soit des enjoliveurs. Donc... Les petits panneaux de porte à l'ancienne, hein, bien évidemment, on est sur une voiture des années 80, entre 70 et 80 du coup. Un intérieur plutôt sobre, hein, dans le style de la voiture en toute manière. Mais plutôt bien dessiné, bien fini, avec les petites bandes en bois et les contours en alu. Je trouve ça plutôt sympa et esthétique, très joli. Bien fini, ok. Bon, c'est un intérieur que je pense qu'on a déjà vu hein, sur d'autres véhicules. Les petits liserés en couture rouge sur les fauteuils, qu'il faudra voir si d'ailleurs ils se modifient avec la couleur du véhicule. Je pense que oui, mais à vérifier. Voilà, voilà. Le grand, grand coffre, là pour vous dire, là, dans le coffre il y avait de la place, clairement. Il est vraiment énorme ce coffre. Ensuite, eh ben, le côté gauche du véhicule, panneau de porte. Hop, avec le petit volant. Avec, pareil, des petites coutures sur le volant, bien sympa. Le volant d'origine est plutôt joli, hein, d'ailleurs. Il est plutôt sympa, franchement. Voilà, avec le petit compteur en bois, avec un habillage en bois, plutôt. Et puis, voilà, cette petite bandelette, franchement, jolie, en bois, avec les contours en alu, que je trouve plutôt sympa et bien fini. Voilà pour l'intérieur du véhicule, les amis. Allez, maintenant, on va aller au LS Custom. Allez, on se retrouve à l'arène, ça sera mieux, c'est bien éclairé, et au moins on peut tout voir comme il faut, voilà, ça sera parfait. Donc allez, blindage. Bon alors voilà, il y a des promos, hein, mais ça c'est pour GTA+, bien évidemment. Hop, pare-choc avant, chromé, noir, basique chromé, ok, classique noir. On va partir sur le chromé, pare-choc arrière, chromé, pare-choc noir. Classique chromé noir. Ouais. Moteur niveau 4, échappement. Les courses, gros échappement. Tranché biseauté, chromé sur les côtés. En titane, échappement chromé. Ok, c'est sur l'avant des ailes. Biseauté du coup en titane et ouais. Allez, on va faire comme ça, capot secondaire d'air haut, O2 aérateur filtre air, double filtre, gros filtre, ouverture, ok. On va partir comme ça. Les phares. Bon, on va les mettre blancs pour le moment, Xénon, mais peut-être que je les modifierai après, on verra. Les motifs, on verra après. Les rétroviseurs. Ok, on peut y mettre des petits ronds. Chromé. Carré chromé. Vintage chromé. Classique couleur 2. Classique chromé. Vintage haut. Ah ouais, d'accord. On peut tirer sur les petits carrés chromés, j'aime bien. Allez.
That looks bad ass. Plaque. Noir. Peinture, on viendra après. Alors, petite galerie, grande galerie, chromée. Bon, bagage, ok, ok. Planche de surf. Toit couleur secondaire. Toit ouvrant. Ouvrant couleur 2. Vendre, on s'en fout. Séparateur. Séparateur noir. Ah, oh, ok. Chromé. Couleur 2. Voilà, on va le mettre en chromé. Suspension. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? Rabaisser. Sport de rue, sport compétition. Ouf, d'accord. Vous pouvez méga la rabaisser quoi. Ok. Alors moi je vais juste la mettre de rue à la limite. Histoire de. Transmission. Course. Turbo. Avec. Type de roue. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme type de roue? Je partirais bien pour des jantes avec des bords en alu, étant donné que j'ai pas mal d'alu sur la bagnole. Ok, deux rues, on a quoi? J'ai déjà mis ce type de jante sur une autre bagnole il y a pas longtemps, il me semble. Ah, celle-là pourrait être pas mal. Gros flocon. Cosmo MK3. Allez, on va partir sur des Carbon Inferno avec le bord en alu. C'est plutôt pas mal. Couleur des jantes. Ah bah sans choisir après du coup parce que je sais pas la couleur de la carrosserie encore. Pneus. Apparence des pneus custom. Ouais, on peut le mettre à la limite. Amélioration des pneus, voilà. Fumée de pneus, on s'en fout. Vitre. On peut les fumer un peu, mais genre clair. Pas trop non plus. Ensuite, motif. Donc on a les motifs bande noire, on a le motif bande blanche, méandre rouge, forcément, ah oui ok, ça, voilà, ça suit les ailes en fait, ça suit la ligne de la voiture, ok, les bandes, faut bien les voir, hein, faut bien les distinguer, colorés vous les verrez mieux, voilà, ok, j'ai peut-être une petite idée du coup. Patriotique. Oh. Oh. C'est sympa comme ça. Ok. Il est pas mal celui-là. Et ensuite les flammes de base. Oh, qui redescendent jusqu'en bas, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Ensuite on a le motif classique. Là on est très. On est sur du typique lowrider là du coup. Ok. Il est joli. Motif classique blanc. Qui dessine un peu la carrosserie de la voiture. Ambiance rétro. Waouh. Ah mais j'adore. J'adore, j'adore. Dommage que ce soit pas plus le bas. Mais c'est stylé. Ah bah voilà. Voilà. Ambiance rétro. Ouais, non. Non, non, non. Non plus. Et on va la mettre entièrement noire. Et couleur secondaire.
Alors c'est soit on fait rouge pour faire un rappel au, à la bande. Ou soit je le fais complètement noir. Qui fait que du coup ça sert pas à grand chose d'avoir mis une couleur secondaire. Le black avec juste la, la petite bande qui dessine la, moi je trouve que c'est super joli, qui descend et qui dessine la ligne de la voiture pardon, et ça me convient très bien. Couleur finition, ah, on va partir sur un, ouais on peut partir sur un petit rouge cabernet à la limite, soit rouge cabernet ou alors on se le fait Ah non, mais au pire, on peut le laisser noir hein, en vrai. Ouais, on peut le laisser noir. Ça fait ressortir les bandes alu et en bois sur le tableau de bord. Je trouve que c'est bien. Voilà, le crew là, non. Du coup, bah, sur les jantes, on va y faire un petit rappel en rouge. Du coup, voilà, on va y mettre le moyeu en rouge. Voilà, parfait. Donc, voici la. Des classes Tahoma coupé, full custom, forcément à ma manière, ça c'est les goûts, les couleurs, ça se discute. Bien évidemment, il y a différents styles à faire, low rider, plus sobre, un peu plus what the fuck, un peu plus muscle car de course, de compétition. Moi j'ai voulu faire un mélange de muscle car et de sobriété avec voilà, la petite ligne qui poursuit tout simplement le design de la carrosserie de cette Tahoma. Et voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait. Alors je voulais pas la faire full black parce que je pense que beaucoup vont la faire en rapport au film Training Day. Ça aurait été trop... J'aurais pas fait grand chose du coup comme custom dessus. Parce que du coup sinon les pare-chocs fallait que je les laisse d'origine aussi. Enfin voilà. Moi le but aussi c'est que je vous montre un petit peu une custom différente. Donc voilà. Mais franchement elle est pas si mal. Hein. Allez, on va essayer de la pousser un peu sur l'autoroute. Un petit peu ce qu'elle donne. C'est con parce qu'on voit absolument pas l'aiguille. On doit être à 130 mph à peu près. C'est un peu chaud de voir. Après, hein, c'est une muscle car, hein, donc c'est pas forcément une foudre de guerre en termes de vitesse de pointe. Mais voilà, puis franchement, elle a l'air de tenir la route hein, en plus. Hein. Malgré le cul qu'elle a, je trouve que. Voilà, ouais, franchement, regardez ça. Elle bouge pas. Hein. Tiens bien, hein. Tiens bien la route. Bon, on va essayer quelque chose. Ok. On va essayer de le refaire. Ouais, ça marche. 130 mph, hein, une vitesse de pointe. Après l'accélération, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Mais bon, c'est pas une voiture qui est spécialement faite pour. On est plus dans le style classe hein, qu'autre chose, hein, on n'est pas sur une voiture de coupette. Mais voilà, en tout cas, bien content de cette Tahoma, elle est bien sympa. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. À lâcher le pouce du soutien, c'est extrêmement important. À pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos, comme cet après-midi à 16h. On se retrouvera pour une autre vidéo custom, puis à 20h. Où on se retrouvera du côté de l'observatoire. Certains comprendront pourquoi je parle de l'observatoire, les habitués. Voilà, une de mes vidéos préférées quand un DLC sort. Donc on se retrouve dans deux autres vidéos aujourd'hui. Encore merci à vous tous pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Illegal, illegal. I do it all for
my people.